Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga, ce magazine qui vous permet d'avoir une idée sur le déroulement des activités dans cette province. Le Haut-Katanga est dirigé à ce jour par Jacques Kiaboula Katoué. Ce programme Debout au Katanga, que vous suivrez désormais sur HK6 Télévision à Lubumbashi, sur Hero TV à Likasi et sur Télé 50. La gouvernance de proximité, c'est en tout cas ça le projet du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, qui tient à tout prix à être le plus proche possible de la population. Raison pour laquelle il a effectué le déplacement du territoire de Sakania. Et là-bas, il est allé rencontrer la population. C'était aussi une occasion pour lui de palper du doigt les réalités de ce territoire et surtout les difficultés auxquelles la population fait face dans ce coin de la province du Haut-Katanga. Regardez cela dans ces images. C'est sous un soleil clément, il est 12h, Sakania accueille le troisième gouverneur élu de la province du Haut-Katanga. L'honorable Jacques Kiaboula Katoué atterrit à bord d'un hélicoptère. Député, membre de son équipe gouvernementale, autorité politico-administrative, militaire et tous les habitants du territoire de Sakania l'attendaient. Aussitôt arrivé, le cortège a pris la direction du bureau de l'administrateur du territoire. C'est ici, place Secours des Arrivées, qu'une marée humaine est réunie pour entendre le mot de l'honorable Jacques Kiaboula Katoué en sa première visite officielle. Prenant la parole en véritable fils du terroir, l'honorable Jacques Kiaboula Katoué a peint le tableau du territoire de Sakania. Tous les domaines de la vie ont été revus au peine fin. Le problème de l'eau sera résolu dès ce jeudi 18 juillet. S'agissant de l'électricité, les démarches sont en cours, mais déjà l'éclairage public à énergie solaire s'installe. Au chapitre des infrastructures, le gouverneur de province a promis au cours de son séjour à Sakania de lancer les travaux de réhabilitation de la route Sakania-Kasumbalesa pour rendre fluide le trafic. Déterminé à combattre l'insécurité, le chef de l'exécutif provincial a remis deux jeeps au numéro 1 de la PNC Sakania. Deux autres sont destinée à Mokambo et une jeep à Chinsenda. La case yangu, il quoi y a tout à fait ma solution pour ma problème. La Koukoukipande est tritumika. Koukoukipande est tritumika. Mais il est nécha. Ça, c'est le bakia. Bijo gouverneur. Mon avocat, c'est un chinga. A mon éclairage biblique, il n'a Sasa, mai ndio tanishinda. Mai il faut ikuye musakanya. Na tuko na obligé frontier. Mais tunayua mateso mengine ya Sakanya. Ni kama mtu anatoka Kulubumbashi. Ni barabara. Barabara ishakufa. Kesho ni nenda kwanisa makaji ya kufanya barabara yetu jusqu'à Kasumbalesa. Pour clôturer cet échange à bâton rompu avec ses administrés, l'honorable Jacques Kiaboula Katoué a présenté toute la délégation qui l'a accompagné. Honorable député, membre du gouvernement et du cabinet, responsable des services de sécurité et certains cadres du FCC. Le territoire de Sakania compte deux communes rurales et trois secteurs. Comme il a fait à Lubumbashi et à Likasi, l'éclairage public doit être installé également dans les territoires. Le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, a compris cela, raison pour laquelle les lampadaires solaires ont été installés sous les artères de la commune de Sakania. Et sur place, la population a loué cet acte du gouverneur. Nous avons fait des choses.
Mungombari, monsieur le gouverneur. Nafurahi sana kwa acte hii tunaona ya moto Msakanya. Tunakushukuru tutaujisha activité yote ranza kutuampeshe kweushi. Ita permettre tonze kujisha sa yote. En séjour à Sakanya, le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yaboula Katwe, s'est rendu compte de l'effectivité de cette réalité trop tard dans la soirée de ce mercredi. Le troisième gouverneur du Haut-Katanga veut à tout prix mettre fin aux poches noires cause de l'insécurité dans sa province. L'objectif, c'est que nous sommes en train de travailler pour l'intérêt de la population et il faut à tout prix se rapprocher de cette population pour comprendre les vrais problèmes. L'éclairage public, c'est aussi un problème qui accompagne le développement d'une entité. Les rues de Sakanya, les avenues, seront éclairées. Ce projet, une fois élargi, résoudrait deux problèmes. D'abord, l'épineuse question du courant électrique. Ensuite, l'insécurité dans le Haut-Katanga. C'est pour résoudre l'épineuse question de la desserte en énergie électrique et en eau potable que le gouverneur de province a lancé le projet d'adduction d'eau potable à Sakanya. Cette question vient résoudre à la fois les difficultés en rapport avec l'eau potable et la desserte en énergie électrique. Suivez cela dans cet élément. Le passage de Jacques Tiaboula Katwe dans le territoire de Sakanya aura été salutaire pour la population qui a vu des solutions à plusieurs difficultés. C'est le cas notamment de l'épineuse question du manque d'eau potable. D'ici quelques jours, tout Sakanya sera desservi en cette denrée grâce au projet d'adduction d'eau potable lancé par le gouverneur Jacques Tiaboula Katwe. C'est un projet du gouvernement provincial du Haut-Katanga en collaboration avec l'entreprise Frontière SA. Plusieurs tanks seront construites pour desservir tous les territoires en attendant que la source de la Lubembe ne soit alimentée par la mine souterraine de Frontière SA. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a également lancé les travaux d'électrification de la ligne haute tension d'une énergie de 33 kVA. Il s'agit ici de la construction de plusieurs tanks qui vont devoir desservir la cité de Sakanya en eau potable. Ça, c'est la première phase, mais nous allons travailler aussi la deuxième phase qui consiste à alimenter la source de la Lubembe en eau qui viendrait de la mine de Frontier. Et donc tout ça, c'est que le gouvernement provincial, qui est votre gouvernement, voudrait à tout prix s'imprégner des problèmes de population. Nous sommes en train de compatir aux difficultés de la population et nous trouvons des solutions déjà avec nos partenaires de Frontier. Et je souhaiterais que la population comprenne que Frontier, en dépit des difficultés qu'elle approuve, mais elle a consenti de faire ce projet qui va se faire le plus tôt que possible. Et nous, notre travail avec nos services, la SNEL, la Régie des Eaux, nous allons tout faire pour donner tous les équipements possibles. Cette action du gouverneur de province, Jacques Tiaboula Katwe, a rencontré l'assentiment de toute la population qui n'a pas manqué de placer un mot de gratitude à son endroit. Cette visite du gouvernement provincial du Haut-Katanga dans les territoires est porteuse de bonheur en faveur de la population. Jacques Tiaboula Katwe a promis d'honorer les autorités traditionnelles tout au long de son mandat. Voilà qui explique la pose de la première pierre de la construction de la maison du grand chef Katala sur place dans le territoire de Sakanya. L'ambiance était toute particulière car plusieurs chefs coutumiers ont répondu présents à l'appel du gouverneur et ont vécu le lancement de ce travaux.
namuna kubeshimisha ni kubayengea manyumba ya kwanza. Odela ya ile yote tunaweza kubapandishia beifo tunaweka bashefu dans de bonnes conditions. Na kama inaanza na manyumba, siku moja itaisha na mambo mengine. Ile nyumba itakuya na moto, itakuya na mai, itakuya na bichi, itakuya na kuisinye ndani, itakuwa na bitanda, itakuwa bref ekipe kumbra. Après ce discours vient le moment clé de cette cérémonie. Le gouverneur de province a posé la première pierre de construction sous les cris de joie de la population. En guise de remerciement, le chef Katala a appliqué au gouverneur et à son vice le kaolin en prononçant les paroles de bénédiction. Il va ainsi remercier le gouverneur. Kwa sababu atuyaonaka po kitu kile arilaka, me, gouverneur anakuya leo anakifanya kitendo. Tuka tunashikia furaha sana shiba sultani. C'est une maison qui sera construite avec 3 chambres à coucher, un salon, une cuisine, 2 salles de bain et qui sera bien équipée. Les travaux de construction prendront 1 mois. L'hôpital général de référence de Sakania est un centre qui connaissait beaucoup, alors beaucoup de difficultés. Jacques Kiabula Katwe ne pouvait pas ne pas y aller sur demande de la population. Et arrivé sur place, l'autorité provinciale a résolu plusieurs problèmes. Je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Parmi les difficultés soumises au gouverneur de province, il y a le manque de médicaments et autres matériels médicaux à l'hôpital général de référence de Sakania. Comme promis, le gouverneur s'est rendu à cette institution sanitaire pour résoudre les problèmes. Le corps médical, les malades et la population environnante, tous ont montré leur joie de recevoir chez eux le premier citoyen au Katangé. Jacques Kiabula Katwe a commencé par la visite des différents services de cette HGR. Cette institution sanitaire présente un aspect d'abandon total. Le gouverneur a, au terme de sa visite, remis aux médecins directeurs les produits pharmaceutiques des vivres et non-vivres pour soulager tant soit peu les difficultés rencontrées par cet hôpital. Le personnel... Oui, c'est un très grand soulagement par son passage et nous avons surtout apprécié le quelques matériels qu'il nous a apportés, entre autres le matériel de l'hôpital, des mousses pour les malades, et c'est vraiment une très grande joie pour nous. Du fait qu'il s'est déplacé pour venir voir quand même Sakania, malgré loin, malgré l'état de Sakania, c'est vraiment encourageant et la contribution qu'il a eu à faire pour notre HGR, nous les remercions vraiment. Avant de quitter Sakania, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe a décidé de communier avec toute la population dans une église. Eh bien, c'est en sa qualité de chrétien qu'il a décidé de glorifier également le Seigneur qui a permis qu'il soit gouverneur. Et ça s'est passé sur place à Sakania. Regardez cela dans ces images. Amen. Na moyo kama mnamtumikia Mungu, Mungu atakusaidia.